Bonjour, bienvenue dans le cinquième épisode de la série Time et Métronome. Alors aujourd'hui, non seulement on va utiliser trois types de métronomes à la double croche, mais en plus on va commencer à aborder le langage des doubles croches. Alors là, c'est un gros morceau, alors c'est pas le sujet de ces vidéos. Le sujet, c'est de travailler avec le métronome, mais on va utiliser un langage à partir de double croche. On va commencer tranquille, mais on va commencer à aborder les doubles croches. C'est un gros morceau. Aujourd'hui, un invité surprise. Alors autant pour les croches, on n'avait que 4 possibilités de placement rythmique. Avec les doubles croches, évidemment, on multiplie les possibilités, on va en avoir 16. Alors dans cette vidéo, on ne va plus utiliser les 16 possibilités, on va simplement utiliser 4 possibilités de formule rythmique basée sur la double croche sur un temps et on va faire une phrase sur 4 temps, sur une mesure à 4 temps pour s'entraîner à se placer par rapport à nos 3 métronomes. Alors tout au long de cette vidéo, j'ai utilisé un effet vidéo absolument extraordinaire que vous allez voir tout de suite. Donc on va utiliser le premier métronome, ça va être celui-là. Effet vidéo. Donc sur les 4 doubles croches, on va accentuer la première. Donc rappelez-vous, 4, pour nous c'est ta, ka, di, mi. Donc le métronome, il va accentuer déjà sur le ta, hein, comme ça. On le règle à 60, toujours en tempo qui est pas mal pour travailler. Et là, on pense tacadimi, tacadimi. Et on a la pulsation sur l'accent. Pour le moment, c'est stable. On est tranquille. Là-dessus, on va essayer de placer 4 possibilités de formule rythmique. Alors, j'ai choisi de prendre une double croche et de la décaler 4 fois. La première sur le ta, ça équivaut à jouer sur le temps, comme si on jouait une noire. Deuxième double croche, troisième double croche, quatrième double croche. Donc on va avoir le ta, le ka, le di et le mi. Et on va essayer de les placer par métronome. Alors je vous l'ai écrit avec effet vidéo. Voilà, attends, hop, là, voilà. Vous voyez, ça bouge en plus, c'est extraordinaire. Voilà les 4 possibilités. Soit on joue la première double croche, ça équivaut à une noire. Je l'ai écrit en solfège. Deuxième double croche, le ka, le di et le mi. Donc, évidemment, comme toujours, on va d'abord travailler au chant, hein, avec le métronome. Alors, on se met dedans. On peut dire tacadimi au départ. Tacadimi, tacadimi, tacadimi. On se met bien dans le débit. Et on chante le ta. Ta. Ta, 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 ta. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas des noirs. C'est la première des 4 doubles. Ta, ta. Les autres sont sous-entendus. Ta, ta, ta. Et même quand on chante long. Ta, 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 ta. On entend les subdivisions. Alors là, c'est une qui est difficile, la deuxième. Le ka. Ra, ka. Ka, ka. Ka, 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 ka. Troisième placement, le 10, ça équivaut à un contretemps en croche, mais là c'est la troisième double. Di, 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 di. Di, 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 di. Et la dernière, la quatrième. Mi, 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 tacadimi, tacadimi. Ok. Alors maintenant, on va prendre un exemple de phrase qu'on peut faire avec des doubles croches sur une mesure. Alors j'ai pris une qui est bien pratique parce que du coup, elle enchaîne nos 4 possibilités. Hein, dans une mesure à 4 temps, pour ça c'est des groupes de 3, donc effet vidéo, ça donne ça. Voilà, donc on va chanter ce rythme-là, hein, sur le métronome, et là on va utiliser qu'un seul son, on pourrait dire les onomatopées, du coup là, mais c'est là, c'est pas très pratique, on va essayer de penser le rythme. Ta, 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 et on résout sur le quatrième temps. Ta, 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 ta,
ta, ta, ta, ta. Voilà. Alors ce genre de rythme, comme toujours, il y a toujours plusieurs niveaux. Comme c'est il y a le même espacement entre les notes, puisque c'est des groupes de trois doubles croches. Ta ti ti 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 ti. Et la dernière, elle dure plus longtemps vu que c'est la première des quatre doubles. D'accord ? Donc il y a l'espacement entre les notes, il faut tenir compte. Et il y a aussi le placement par rapport à la pulsation. Et là, on revient à notre cas de figure. La première est sur le ta, la deuxième est sur le mi, la troisième est sur le di, et la quatrième est sur le ka. Hein? Et la dernière tombe sur le temps, sur le ta. Hein? Okay? Donc, on peut penser ça. Il faut penser les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. L'espacement entre les notes et le placement par rapport à la pulsation. Ce n'est pas au choix, c'est il faut gérer les deux. D'accord ? Un rythme, c'est jamais seul dans le vide, c'est toujours par rapport à une pulsation. Et il y a un espace entre les notes. C'est les deux qu'il faut intégrer. Voilà. Alors, bien sûr, on va aussi essayer de jouer un rythme à la batterie. J'ai pris un rythme simple qui exprime des doubles croches au Charleston. Toutes les doubles croches d'une main, c'est plus simple à jouer au départ, à gérer. Et caisse claire 2 et 4. Et grosse caisse qui va jouer première. Premier temps, contre-temps du 2, on tombe sur le 3 et on joue la dernière double de la mesure. Donc ça donne quoi? Ça donne poum, tat, koum, koum, tat, koum, koum, tat, koum, koum. Et à ce tempo-là, on peut chanter des tititi entre les notes, ça aide hein, à se placer, puis aussi ça sonne. Donc on essaie avec le métronome. Poum. Voilà, on le chante, on essaye bien, on fait de la beatbox quelque part, mais surtout on entend comment ça se place, et après on s'installe à la batterie et on essaye de le jouer. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième type de métronome. Il faut bien comprendre qu'on commence par vraiment prendre l'habitude de travailler sur le premier déjà. Qu'on a réglé la plupart des problèmes sur le premier métronome, c'est-à-dire le plus simple, on a les quatre doubles avec l'accent de première. On va essayer de renforcer ça. Encore une fois, l'idée, c'est de renforcer, construire l'horloge intérieure, la muscler petit à petit. On met son sens du rythme, comme on dit, à l'épreuve. Alors, le placement plus souvent en double croche, comme vous le savez, on l'avait vu dans la précédente vidéo, c'est de mettre l'accent sur le quatrième double. Effet vidéo, comme ça. D'accord ? Donc, c'est le même métronome, on règle pareil. Métronome, il est à la double, avec un accent sur une des quatre. Et là, mais sauf que là, l'accent, on va l'entendre sur la quatrième double. Vous voyez ? Encore une fois, l'intérêt, c'est qu'on est obligé de gérer soi-même la pulse et le métronome. Il aide beaucoup moins. Il aide quand même. Hein. Donc, on va essayer de chanter nos quatre placements de double. Je vais faire quoi? Une mesure de chaque. Quatre temps. Ta, 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 ta. K, K, di, 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 mi, 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 et j'ai fait le tour. D'accord ? Vous voyez ? Toujours sur le mi, mi. Après, on va chanter notre phrase. Je remets ma mesure 4 temps.
1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Allez. Et s'il y a des petits décalages comme ça peut arriver, ben on se réajuste. Le travail, il est là. Vous voyez, encore une fois, les réajustements sont bons. Faut pas les craindre, faut réajuster. Faut les sentir, hop, et hop, on se recale. Jusqu'au jour où il y en a de moins en moins, mais on reste des êtres humains. Donc on travaille le truc. Après le rythme de batterie. 1, 2, 3, 4. Boum, tat, boum, boum, tat. D'accord ? Bon. Maintenant, on a chanté un moment. Encore une fois, il faut prendre le temps, hein, surtout en accéléré là. Hein. On prend le temps, le métronome, on peut descendre le métronome, encore une fois, mais on peut aller jusqu'à 40. En dessous, ça commence à devenir plus difficile qu'autre chose. Hein, pour bien sentir le truc, bref, on travaille. Quand on commence à bien sentir le truc, on va sur la batterie. Dernier placement du métronome, qui est le métronome qui va vous servir de métronome de base quand on travaille des doubles. C'est-à-dire qu'on va mettre le métronome à l'accroche, mais on va penser les doubles en l'air. Effet vidéo, c'est-à-dire qu'on va placer le métronome comme ça. Donc j'ai placé au crayon le rapport entre les doubles croches, donc on joue bien deuxième et quatrième double, dans ce qu'on appelle les doubles en l'air. D'accord ? Donc c'est le K et le Mi. K, Mi, K. Et le métronome va être placé là. Alors, première chose déjà, c'est essayer de sentir le métronome, simplement taper une pulse avec le métronome. Rien que ça déjà, ça va vous demander un petit peu d'effort. Alors moi j'y arrive relativement vite parce que j'ai l'habitude. Alors le premier truc, c'est que vous pouvez essayer de démarrer en l'air. C'est comme un super contretemps, si vous voulez. Alors là, c'est le juge de paix. Hein. Au moins de décalage, pouf, on se recale sur les croches. Hein. Et nos formules. Ta, 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 di, di. Di, di, mi, 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 mi. Et j'ai fait le tour. Notre phrase. Ta, 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 et le rythme. Voilà. Alors évidemment, ça vient pas en deux secondes. Hein. Il faut vraiment s'habituer à ça, prendre le temps de voir comment ça sonne, etc. Mais ça nous oblige vraiment à être présent sur la pulsation, être stable, hein, et être bien au fond, comme on dit. Donc, comme toujours, on chante et on va à la batterie
pour voir ce que ça donne. Alors je vous avais annoncé en début de vidéo qu'il y a une petite surprise, j'avais un invité. Et vous savez que évidemment tout ce travail rythmique, le but du jeu c'est quand même de jouer, de la musique. Hein. C'est pour ça que les musiciens travaillent tant, parce que bah, leur kiff c'est de jouer et d'être à l'aise dans ce qu'ils jouent. Donc là, mon collègue et ami David Azak a accepté de poser une basse et une guitare sur mon groove à 60. Et voilà ce que ça donne. À force de travailler ça, on va finir par entendre les choses, mais la problématique qui va se poser, c'est qu'on ne va pas pouvoir le gérer à tous les tempos. Hein, il y a un moment donné où, quand ça va trop vite, j'arrive plus à gérer, et on a tous notre tempo comme ça, qu'on essaye de repousser, etc. Mais comme je suis un peu cinglé, je vais le tenter à 92. Hein. Mi. À cette vitesse-là, ça commence à devenir coton. Hein, alors, j'ai une petite idée derrière la tête, parce que dans la prochaine vidéo, vous allez voir que on va travailler sur encore d'autres placements rythmiques à la double, et on va travailler sur un rythme célèbre, un rythme de un grand classique de la batterie qui s'appelle Funky Drummer. Donc, encore d'autres surprises dans l'épisode numéro 6. À bientôt.